Et coucou YouTube! Ah, attendez, bougez pas, j'ai un truc à faire. Voilà. Cliquez, ok. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau live. Bien sûr, Breath of the Wild. Voilà. Hop là. Faire gaffe au drop, parce qu'apparemment ce soir c'est très capricieux. Peut-être foutre le chat aussi, ce serait une bonne idée. Le chat se lance. Oh là là. Voilà, ça y est. Je suis connecté au chat. Je suis connecté au chat. J'ai pas de drop, c'est parti. Alors, les DLC, les épreuves légendaires, l'épreuve de l'épée. Le mode expert. Mode empreinte. Ok. La vieille téléportation. Ok. Le masque de Korogu. Ok. Ok. Alors, on pourrait tester l'épreuve de l'épée, hein, je suis d'accord, mais j'ai envie de tester le mode expert parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Allez, c'est parti. Alors, m'en voulez pas, on va peut-être skipper un petit peu parce que je présume que l'histoire n'a pas trop changé non plus. Alors, sort que j'ai bah, j'ai oublié les boutons. J'ai complètement oublié les boutons. Pourquoi une Triforce en bas à gauche? C'est pour dire que je joue en mode hardcore? Ouais, Breath of the Wild. Ah, j'ai vu maintenant qu'on peut aussi changer la langue du jeu. Il y avait une sorte de DLC gratuit pour changer la langue du jeu. Je trouve ça cool. Enfin, changer le vocal, quoi. Avoir le slide. Et tout. Voilà. Donc, ouais, pourquoi pas, why not? Je verrai. Tiens, j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Hein. Pour cette nouvelle partie. Et allez, bientôt pouvoir passer. Hop là. Allez, j'ai quand même un peu de drop, hein. Allez, j'ai un 4G en PLS aujourd'hui. C'est pas vrai, j'ai pas fait un long sommeil. Jamais été aussi peu endormi. Ouf, incroyable, une table chic. Allez, laissez-moi jouer. En tout cas, de ce que j'ai vu, l'épreuve de l'épée, elle a un peu hardcore, hein. Bon, par contre, c'est quoi les boutons? On récupère tout ce qu'on a. Ah, c'est pas un speedrun, hein, faut pas déconner. Hein. Ça dégommer si on tente de speedrun. Ouais, non, y a rien de toute façon dans ce truc. Allez, on continue. Ouvre-moi la voie, tablette Sheikah. Ouf. Alors, du coup, bah, vous en doutez, la route du speedrun va être légèrement modifiée sur cette version. J'ai hâte de voir le speedrun en hard. Hein. À mon avis, ça va être quelque chose de cool. Hein. Enfin, j'espère que les développeurs ont pas été des sacs et ont pas modifié les glitches qui ont été utilisés.
Allez. Ah, cette musique, je m'en lasse pas par contre. Ah, gaffe, j'ai pas le paravoile par contre. Non, bah ça. Ah, moi, je sens la couille arriver. Hein. Je sens le moment où je vais te dire je vole! Et puis en fait, je vais m'écraser comme une pauvre merde en bas d'une falaise. Wesh, Daphné, j'ai oublié son nom, mais on va l'appeler Daphné. Okay. Alors, comment on passe en mode discret? Ah, c'est ça. Alors, attendez, bougez pas. De toute façon, il y avoir. Ah, je pensais qu'il y avait une saloperie ici. Bon, ici, en tout cas, je suis sûr qu'il y en a une. Ou pas. Ouais, toi, attendez, bougez pas. Je. Alors. Il est pas là, là. Il est censé être là. Ok, alors est-ce qu'ils auraient viré les scarabées lames? Non, ils ont modifié son emplacement. Je prends. Ça coûte rien. On va prendre la branche. Parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Allez. Ah, une vraie arme. Hop. Allez. Hop là. J'ai l'impression qu'il était quand même assez OP ce mob. Ok, j'irai. C'est par là que je vais aller. Ok, alors, est-ce qu'il va retourner sagement? Il va retourner sagement. Ok, alors, bah, on peut le dire, le jeu se fout pas de ma gueule.
Aïe. Ça pique. Eh ben, je sens que ça va être fun, hein. Ah, si les premiers bokoblins du jeu, ils sont aussi costauds. Bon, en même temps, après, ça... comme dit, hein, si je fonce au château d'Hyrule pour récupérer des armes et que je reprends la route. Oh la vache! Ah, c'est moche! Eh! Qu'est-ce que je fous là? Ok, ah, attends. Aïe! Ok, alors, vu ce qu'il me reste en arme, je vais peut-être me calmer. Ok. On est bon. Gaffe aux dégâts de chute, ce sera rentré con. Ok. Ah, d'accord. Alors. Toi, t'as un bouclier qui m'intéresse. Ok, on est bien. Plus important, j'ai pas abîmé quoi. Hop là. Alors, on va se balader pour le moment. On va pas forcément rusher. On va sauvegarder aussi. Ah bon. Amiibo. D'accord. C'est vrai que Link Lou serait un peu pété. Pour de vrai. Ah. Ah. Ta gueule. On va l'activer. Hop là. Je profite pour manger, hein. Personne n'est là pour me déranger ou quoi. Hop là. Alors, j'ai envie de réessayer ce glitch.
Alors. Alors, faut que j'aie un truc dans les options. Une nouveauté. Oh, nice, c'est là. Mais c'est pas ça. Et je sais pas comment on l'active. Raté. Et là, vous allez dire, ouais, c'est con, t'es mort et tout. Ouais, mais sauf que maintenant, je vais revenir avec 3 coeurs, ce qui était aussi prévu en fait. Du coup, je suis tout bénef. On devrait avoir une option pour skipper les dialogues en mode dur, enfin en mode difficile, en mode dur. Un glitch a été trouvé d'ailleurs pour quitter le plateau du prélude, mais le problème c'est que si on le quitte maintenant, on fait tout bugger le jeu. Allez. On commence à récupérer ce qu'on peut. Hein. Je me demande s'ils ont changé les énigmes à l'intérieur des donjons. Enfin, des sanctuaires. Oh, ce serait stylé. Non, parce qu'en soi, du coup, moi, ça m'intéresse pas de refaire tous les sanctuaires que j'ai déjà fait. Hein. Ta gueule. Oh, c'est tellement moche. Ah, mon préféré déjà. On commence sur le cool. Le truc va nous permettre de faire de quasi one-shotter tous les mobs du plateau. Il y a un feu d'artifice chez moi. Bon, pourquoi pas. Déjà un truc. Ah mais c'est vrai que j'avais fermé, du coup je peux pas savoir. Mais. Ah oh, bacard. On essaie d'appliquer les safe strats là. Et ça marche, hein. Où est-ce qu'il y a l'échelle déjà? Elle est là. Allez.
Allez. On peut pas le zapper celui-là? Ah non, c'est ça, là qu'on peut zapper. Mea culpa. Vous pouvez essayer même Amiibo qu'une seule fois par jour. Est-ce qu'ils ont corrigé le glitch avec les Amiibo? Qu'on peut avoir l'arc du crépuscule dès le début du jeu là. Et s'ils l'ont pas corrigé, je le fais, hein, parce que franchement, ils mettent mal les mobs. Hein. J'avais pas vu que le coffre qui était juste à côté, faut que je pense à le prendre. Aïe, mon pied. Nice. Alors maintenant, en théorie, je peux activer les amiibo. Paramètres. Amiibo, utiliser, bah c'est bon. Et du coup, il n'y a toujours pas le... Attendez, c'est peut-être sur la map, je vous dirais. Voilà, mode empreinte. X. Non, 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 j'ai pas galéré là. C'est les guides. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, ça me dit que je suis mort là. Ah si, si, ça me dit quand même que je suis passé, ok. Ok, hop, c'est stylé. Hein. Faudra que je regarde sur la partie principale. Ok, alors. Voilà. Non, rien, ok. Comme dit, on essaie de récolter un maximum de trucs. Et à de l'embrouille. Je vérifie un truc. Ouais, c'est bon. Non, j'avais peur d'être mute en fait. Non, parce que. Du coup, bon. Hein. Voilà. Ah. Nice. J'ai une pomme grillée, les gars. Voilà. Ok. Ah, vous savez quoi? Alors maintenant, on sauvegarde. Et c'est parti pour le reset de votre vie. Hop là. Attendez, on va sauvegarder maintenant. Voilà. C'est pas bon. Hop là. Juste voir si je peux tomber sur autre chose que des armes à level 5. Si je tombe que sur des armes à level 5, les arcs du voyageur tout pourri, on oublie pour le moment. Je veux vraiment l'arc du crépuscule qui... Enfin, on peut le dire. Voilà, on va vraiment pouvoir me filer un coup de main. Ou même un arc de soldat, ça me suffirait en soi. Parce que bon, l'arc du crépuscule, c'est quand même un peu cheaté, je suis d'accord. Quoi que je vous dirais, c'est une mécanique d'un jeu comme une autre, hein. Je tombe que sur des arcs du voyageur là du coup. Bon, bah si c'est le cas du coup ça craint, hein. Voilà, faut le dire.
On va essayer encore une fois. Et si c'est pas un arc royal, on laisse tomber. Faut laisser tomber. On n'utilisera pas cette l'amiibo Zelda plutôt pour le moment. Allez, on va charger parce que comme dit, hop là, mon but c'est d'économiser mes amiibo. Enfin, c'est d'économiser Zelda. Par contre, après pour le reste de mes amiibo, ça, nos soucis, on va les utiliser maintenant. On va commencer par celui-là qui va nous filer de la bouffe, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, on va foutre celui-ci. Ensuite, on va finir par celui-là. Voilà. Parfait. Là, on remet ça comme c'était. Voilà, parfait. Bon, alors toi, je te remets là. Hop, merci, je t'ai assez utilisé. Alors. Ok. Alors. Eh, coucou GT6, ça va et toi? Ah oui, j'ai toujours pas compris à quoi servait ce... cette chaîne. Hop là. Alors, il va me faire un caillou. Voilà, alors celui-là. Je suis enfin en vacances. Ah, cool. Cool, cool. Et moi, pas encore. Enfin, même si moi, mes vacances qui arrivent, elles s'appellent chômage, mais... Eh, écoute. On trouve du repos là où on peut. Hein. Attends, je te dirais ça, je vais le garder avec moi. Je vous présente mon arme fatale. Vas-y, y'a pas un mob là qui veut m'agresser? Touche pas. Pour le coffre, il y a une plaque à côté du sanctuaire. Oui. Et elle sert à quoi ta plaque? Ouais bon, j'ai peut-être un peu tué. Ok. On est bon. Ouais. Ouais. Pour faire un point. Ah ok. Ah, j'ai pas d'arc.
Ok. T'es tout seul, mon gars. Ah, notre premier arc. Parfait. C'est farpé. Ce caillou va être notre meilleur ami, hein, je sens dans ce mode hard. Hein. Non mais sur Zelda Breath of the Wild, oui, je l'ai fini. À 100%, ou presque. En gros, il me manquait que 4 sanctuaires. Et non, les Korogus ne comptent pas à mes yeux pour 100% parce que 900 Korogus, allez vous faire foutre. T'en viens là, ami. On a besoin de toi. T'es un peu galère à utiliser, faut reconnaître, mais c'est une blague? C'est la première fois que je vois un Electorok ici. J'avais pas dû faire gaffe. C'est bizarre que je sois passé à côté d'un Electorok quand même. Mais bon, c'est pas grave. Sans les bombes, sans massue, c'est rien qu'on essaye. Hein. Ok. Donc une torche, pourquoi pas. On économise. Ok. Oh putain! On va peut-être en profiter pour la cuistonner un peu là. Parce que... Alors, le truc c'est que bah, du coup maintenant j'ai l'habitude de faire que des trucs avec des truffes max. Donc faut reconnaître que là. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi il y a des torches maintenant. Ah ils sont carrément plus résistants, ouais. Alors,
C'est beaucoup trop ça. Ouais, c'est beaucoup trop. Un seul suffit. Ouais. C'est ce qui me semblait. Bonjour chatounet. À ce stade du jeu, bon, c'est assez rentable de faire ça. On sauvegarde, on a quand même cuisiné. Et mode expert, et on avait compris, c'est bon. Et bonjour à toi, Demon Dark. On n'a pas besoin encore de Luciole à... Luciole à la con, hein. Ça va aller. Ah! J'avais oublié que ça spawnait sur le plateau du prélude, en fait. Il semblait pas que ça spawnait. Écoute, ça va et toi? J'étais quasiment sûr qu'il n'y avait pas de machin fausse là. C'est le mode hard. Ouais, ça se. Enfin, c'est prouvé par la Triforce blanche en bas à gauche qui apparaît de temps en temps. J'étais parti où? Oh putain, ça y est, je suis paumé. J'étais parti par là. Et pas du tout. Oh putain de merde. La map! Je suis tellement paumé. Bah, en fait, je suis très étonné qu'il soit, enfin, soit l'île de départ. Bon. Bien, mais un peu fatigué. Ok. J'ai dormi 4 heures la nuit dernière. Et toi? Vas-y, on va faire un battle. Enfin, la nuit. J'ai même pas dormi la nuit dernière en plus. C'est faux, j'ai dormi ce matin 4 heures. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Il me faut les bombes. Ok. Oh, oh putain, j'ai pas le paravoile. Ok, là c'est l'île Torok. T'as testé ces épreuves de l'épée? Bah non, justement. On testera peut-être à la fin du stream. Mais je suis très curieux. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui coince au niveau 9. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte. Voir si moi aussi je vais galérer. Voir s'il y a enfin un peu de challenge. Bon, déjà le mode hard il est cool, hein. Ah bah évidemment, déjà au bout de deux nuits blanches il y a un problème, hein. Tu ferais mieux de faire gaffe. Hein. Ok, il faudra que je fasse griller les glands. Ah, bon, sauvegarde automatique, c'est cool. Ok, où sommes-nous? C'est quoi ce cinématique? What?
Il n'y a pas de point de sauvegarde, mais ça c'est normal. C'est comme. Comment s'appelle? C'est comme la caverne de Lord Dali. Évidemment qu'il n'y a pas de sauvegarde. Après la question c'est est-ce que c'est abusé? Est-ce qu'on peut. Ah bah non, du coup non, puisque t'es à poil, t'as rien. Ouais, donc non, du coup moi je trouve ça très, très équilibré, c'est cool. Allez. Ouais. C'est bon. Oh, je savais même pas qu'il y avait un Kourougou sur cette île de merde. Ouais, je viens de le découvrir. Il rentre sa petite crotte. C'est tentant, écoutez. Ah bah déjà il me faut une arme, voilà. Merde, raté. J'ai fait du caca, j'avoue, j'ai fait du caca. Mais en fait j'étais très surpris en fait. Je m'attendais pas à tomber comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais sauvegardé avant. C'était prévisible quand même. Ah, le premier qui gueule parce que je viens de glitcher, je défonce. C'est bon, le jeu il est assez dur comme ça, on n'a pas en plus besoin de perdre du temps à faire des détours. Ah là, ils sont trop nombreux encore. Je récupère de quoi faire des plats, hein, de toute façon j'en aurai besoin. Dégage moustique, je t'aime pas. Ouais, Silencio, pourquoi pas. J'ai cru entendre un grognement. Une aile d'orque. Ben, j'en pense que j'ai pas encore affronté, donc j'en pense que je peux pas rien te dire dessus pour le moment. Mais j'ai hâte d'en croiser un. Chapoudné. J'ai failli t'appeler Chipoudné, je sais pas pourquoi. Quoi, il y a une grotte ici? Ah bon? Eh, voyons ça. Ah, Silex, on le prend. Un défi, ne plus mourir. Non, je relève pas le défi, sinon je pourrais le faire, hein. Mais aussi bien pour le stream que pour mon amusement personnel, j'ai pas envie de m'amuser à esquiver la totalité des mobs jusqu'à la fin du jeu. C'est faisable, hein, mais c'est chiant à regarder, c'est chiant à faire. Donc, après, faut savoir faire un choix, les amis, hein. Vous voulez un stream où on découvre vraiment le mode hard, on essaie d'avancer, bon, de manière minimale. Hop, du coup, tac, tac, tac. Non, il faut que j'aille là-bas. Donc, de manière minimale, histoire de pouvoir. Comment s'appelle?
voir les nouveautés, ou est-ce que vous voulez donc qu'on fasse le défi? Après, moi ça me dérange pas de faire le défi, ça vous fait plaisir, hein, mais. Après, je ne veux pas, par contre, qu'il me soit reproché le fait qu'on n'avance pas, quoi. Donc, au choix. Ah putain, toujours pas de paravoile. Mais quand vous me voyez sauter une falaise, j'essaye, à chaque fois. Je sais pas, ça me manque. C'est sérieux, les mecs? Oh putain, non. C'est une blague. Eh ben putain. Normalement la qualité du stream vous permet de le voir, hein. C'est un lignel là-bas. Alors là par contre c'est clair, je suis sûr de moi, il n'y avait aucun lignel ici, avant. En soi, rien n'empêcherait de l'affronter, de le battre, mais il n'y aurait aucun intérêt. Ce que je veux dire, c'est que je le tue, ok, j'obtiens des pièces antiques, ok, et j'en fais quoi? Quoi que je vous dirais, ça se vend. Hop, on sauvegarde. On sauvegarde, on tente. Fait longtemps. Ok. Donc on les one shot toujours, ça c'est bon à savoir. Mario Nintendo Switch. Allez. Voilà, ça y est, on a de l'armure, les gens. Là, par contre, le fond rouge, je n'y fais pas. Ils auraient pu en faire, le faire en bleu. Hein. Certes, c'est plus dur, le mode expert, mais franchement, rouge, je trouve ça moche. Mais alors, d'une force. En bleu, ça aurait rendu beaucoup mieux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit logo Nintendo dans le dos. Du coup. Allez. Pardon. Oh, quel con. Non, deuxième fois que j'arrive à me faire toucher, tiens, par cette bombe. Ah. Salut, tu me raides. Bah non. Il y a beaucoup plus de cailloux qu'avant.
Ça, c'est clair. Bon. Du coup, on a les bombes. On tente le Linel. C'est par là-bas. Allez. Lunette one shot. Et alors? Comme 90% des mobs. Non, 95% des mobs du jeu actuellement. Il me one shot que dalle, what the fuck? Ah ouais. Bon, vu les dégâts, je pense qu'on va oublier. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, vu ce que je viens infliger, je pense que j'ai pas assez d'armes. Je pense, là actuellement, ce que j'ai en armes, ça suffit. Ta mère. Gueule. Bon, on est toujours en vie. Avons réussi à nous enfuir. C'est pas les armax ça? Tempo, m'en fous. Alors. Est-ce que j'ai de la viande? Ouais. On va pouvoir faire du. Ah, attendez, bougez pas. Oh, on va prendre ça aussi. Hop là. Alors. Pour que ça dure plus longtemps, il faudrait que j'en mette deux peut-être, non? On a 5,30. Acceptes-tu de me filer ta doudoune? Ah non, alors lui clairement il est pas là de base. Bon.
Ouais, bon, au pire des cas aussi, si j'arrive à récupérer le... Ne bougez pas, faut que je me concentre. Hop, on va les aimer. Si j'arrive à récupérer Glacius, là, j'oublie le nom de du module, il le laisse tout simplement dans un coffre. Ok. Aïe. Hop. Plat. Bien ça. Ok, alors, il reste plus que toi. Et comment te dire à quel point toi tu m'as saoulé? Il me saoule. Un bouclier. J'ai un couvercle de marmite. Tu vas faire quoi? On va peut-être manger aussi. Un petit plat, tranquillou. Vas-y, ça. Pardon? Pop. Merci. Ok. Ah putain, je suis con, je viens de me rappeler que j'avais les bombes, effectivement. Andouille. Des flèches de feu. Tiens, on récupère des flèches de feu. Ah oui, si, peut-être. Si, si, ça me dit quelque chose en fait. Alors, si j'ai pas de conneries. Non, laisse tomber. Je veux dire, pas loin au-dessus, il y a un sanctuaire. Mais oui, il y a bien un sanctuaire, mais laisse tomber. Ils lâchent plus leurs armes. Si, si, mais beaucoup plus difficilement. Avant, t'arrivais quand même bourrin avec ta hache. Tu foutais un coup, le gars, il perdait son arme. Là, maintenant, faut s'accrocher. J'ai pas besoin de luciole. Qui perd quand même une. Là par exemple, comment je pourrais faire? Est-ce que vous allez enquêter? Vas-y, va voir. Oups.
Ouais, c'est ce qui me semblait. En fait, il régénère quand ça clignote comme ça, c'est que ça régénère. Ouais, je peux rien faire. Ils sont beaucoup trop violents et j'ai que vraiment que des armes de merde en fait depuis le début. Bon, on va recommencer à cuisiner. Hop. Question, est-ce que j'ai hop là un truc non, j'ai pas le truc qui m'intéresse. Ah du coup fleur si on s'en fout. Jamais tenté ça. Ah écoutez, c'est un plat douteux, c'est déjà pas mal. Bon, allez, on va récupérer les champignons en duro. Hop, 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 hop. Allez! On va tenter une triple exécution parfaite. Je peux pas me permettre de faire ça, j'ai plus de. J'ai plus de. J'ai plus de. Voilà, j'ai plus de. Ah, j'ai eu du drop. Ah. Ouch. J'avais pas vu qu'ils avaient leurs armes là. Donc ça déjà, on va le récupérer. Allez. Heureusement que la dernière sauvegarde, elle remonte pas à long. Une balle à la tête. Han qui est au daron. Ta gueule, tu shoot pas. Vous avez des yeux bioniques, les gars. Ok. Ah, du bon loot. Oh. Ah, je les ai volés, bande de fils de flûte. Oh, quel con. Je pensais pas y toucher. Bon, on refait la même, de toute façon.
Par contre, regardez quoi, même de nuit, les camps ils sont quasiment infaisables. Ah cool. Ah d'accord, j'ai déjà tout récupéré. Ah par contre, je cours, ça, ça les réveille. Par contre, une bombe à côté, boif. Oh, c'est les guides. Wow. D'accord. M'en fous, j'ai eu le miel. Sont trop cons. Ouh. Ah, les bombes quoi. Putain, encore du drop. Et je pense qu'on va s'arrêter, hein, ça continue à dropper. Ah, je déteste quand ça fait ça. Merci GT6, bisous. J'ai un flou ici. Putain, les gars, je découvre plein de choses. Hein. On vous joue en mode hard. Faut monter. Bon, attends. Merci. C'est puissant les armes à deux mains.
Je sais pas si je vais me noyer ou pas. On va tester comme ça. Ok, je vais pas me noyer. Ah oui, poisson. Nickel. Nickel. Bon. Alors. Une arme, ça reste une arme, hein. Dans un coffre que j'ai eu tout à l'heure dans le plateau du prélude. Je t'invite à retourner en arrière pour voir à quel moment j'ai commencé à l'équiper, puisque dès que j'ai lu, j'ai équipé. Donc, vu que tu regardes sur YouTube, tu peux regarder en arrière, je dirais que c'était il y a 30 minutes à peu près. Alors. Non. C'est quoi le bout? Non. C'est ça. Ok. Oh la vache! La vitesse! J'avais pas vu que c'était aussi vite. Allez. Putain, c'est encore drop ou quoi?
Oh, fais chier. Ouh. Et en plus, j'avais pas vu l'heure, attendez. Ouais. Eh bien, écoutez, chers amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, je sais. Mais j'ai pas avancé aussi vite que je pensais. Franchement, mode hard, il mérite bien son nom. Donc, c'est rentré une très bonne chose. On pourrait quand même essayer d'arriver chez quand. Ça ne coûte rien. Allez. On avance comme ça. Voilà. Allez. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, chers amis, on va s'arrêter là. Merci à vous, pardon, d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Ah, et je tiens à rajouter comme prochain stream, tous ces drops ont été évidemment sponsorisés par Bouygues Télécom. Hein, voilà. J'hésite pas à faire de la bonne pub quand ces gens font de la merde. Allez, tchuss.